Hey, salut tout le monde, c'est SpaceWolf, comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la chaîne de la Titanium Clan, les potos, pour vous commenter aujourd'hui ce magnifique gameplay. Donc tout simplement les gars, aujourd'hui je vous présente vraiment un gameplay de malade mental. C'est un world first. Donc voilà, je vous présente rapidement le gameplay. C'est une quad nucléaire en une manche de Domi. Alors je sais pas si vous vous rendez compte du délire quoi. Le mec en une manche, il a quand même tapé 4 nucléaires, donc un 60 gun streak plus 2 nucléaires. Ça a été réalisé par Slade, il était avec sa petite Weevil sur la map Nuketown. Vraiment, il a claqué un petit gameplay au Kamzer. Franchement, un gros big up à lui, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description. N'hésitez pas à aller le féliciter en commentaire, ça lui fera vraiment très plaisir. Donc voilà. Donc aujourd'hui les gars, je vous présente un petit commentary, vraiment un petit commentary pour vous faire plaisir. Alors j'ai peut-être une information vraiment très intéressante. Alors on vient de voir ça sur Twitter et franchement c'est une information qui fait vraiment très plaisir. Alors là je vais vous mettre une petite image à l'écran. Normalement elle devrait s'afficher. Alors comme vous pouvez le voir, si vous voyez pas trop ce que c'est, alors réfléchissez bien. Regardez un petit peu, nous avons deux petites photos prises par un player américain. Et c'est sur PC. Et on peut voir donc avec l'affichage du code casting, donc pour ceux qui ne savent pas en mode studio, il y a un paramétrage là où les gens peuvent voir la vidéo, donc de la rediffusion entre guillemets en live de la partie qui est faite en mode partie privée. C'est donc avec cet affichage que les commentateurs de la Cold War League ou des compétitions Call of commentent leur gameplay. On peut voir aussi le nom de la classe et donc si vous voyez, on peut voir que il joue avec des bots et un de ses bots tient un couteau balistique. Alors on le voit pas du tout puisqu'il tient la M8A7, mais regardez bien la classe, on peut voir une icône d'M8A7, une icône de grenade Semtex, une icône de charge électrique et une icône de couteau balistique. Là il n'y a vraiment aucun doute, c'est vraiment un couteau balistique. Alors maintenant le doute c'est, est-ce que c'est un montage ou non? C'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre, mais comme c'est une photo qui a été prise depuis l'écran et comme le code casting s'est vraiment fait en live, ça m'étonnerait que ça soit du fake. Et puis de toute façon ça quand même ça apporte un petit une petite logique, puisque dans tous les cas le couteau balistique avait fuité dans les codes sources du jeu. Les américains avaient regardé dans les codes sources du jeu et avaient vu des petits noms d'armes, des petits trucs qui faisaient penser à telle chose ou telle chose, et puis il y avait marqué ballistic knife, donc forcément ça fait penser au couteau balistique. Donc c'est une prédiction, ça reste de la supposition, enfin ça restait jusqu'à présent, c'était de la supposition, mais là quand même on a quand même une assez belle preuve que le couteau balistique va faire son retour sur Black Ops 3. Ça ferait vraiment très plaisir, surtout à la communauté Knifing qui l'attendait depuis bien longtemps. Alors franchement moi, si vous voulez savoir mon avis, je pense qu'ils auraient dû lancer ce couteau balistique dès le début du jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là le problème c'est qu'ils, bon certes ils vont sortir, ils risquent, hein, je dis bien ils risquent de sortir le couteau balistique, mais ça sera certainement une fois de plus dans les largages. Et puis ça va en décevoir plus d'un, parce que c'est vrai que vous allez me dire, ouais mais d'un côté ça fait quand même plaisir à la communauté Knifing qui avait certainement arrêté depuis que ben il n'y avait pas de couteau balistique. Donc là ça va leur donner envie de revenir, mais quelque part il va falloir les choper dans les largages et ça va pas leur faire plaisir. Il y en a certainement très peu qui vont réussir à l'avoir et tout le reste ils seront dégoûtés quoi. Donc vraiment après à voir, peut-être ils vont le, ouais on sait pas, mais bon y a forte chance quand même que si ça soit une nouvelle arme, je dirais même qu'il y a 95% de chance que ça sorte dans les largages. C'est un petit peu dommage, bon c'est vrai que ça nous donne beaucoup moins de chance pour avoir les armes et ça nous oblige très souvent à mettre la main à la poche pour peut-être espérer les avoir. Et encore, je dis bien et encore, parce qu'il y a de ça un petit moment, j'avais gaspillé l'équivalent de 100€ de code points. Alors c'est pas complètement moi qui ai payé, j'ai eu de l'argent grâce au partenariat. J'ai eu un petit peu, en plus j'ai payé ça pendant les périodes de 50%, donc ça m'a revenu aux 100€ au total. Mais pas à la base, ça m'a coûté 50€ quoi. Donc, et puis j'étais vachement déçu parce que un opening de 100€ c'est censé te garantir un minimum de belles armes quoi. Et puis là, j'ai rien eu. Donc, vraiment, c'est vraiment assez dommage. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, même en mettant la main à la poche, c'est compliqué de les avoir. Donc, ça, c'est vrai que ça peut en décevoir plus d'un, c'est vrai. Mais bon, il reste quand même à dire que le couteau balistique va faire son apparition. Alors, déjà, bon. Il faut quand même rester sur le fait que c'est vraiment pas du sûr. On sait vraiment pas si c'est sûr à 100%. On sait vraiment pas si c'est. Peut-être ça se trouve, c'est un montage.
Donc on sait pas, mais vraiment ça nous apporte quand même un... ça nous apporte quand même un bel indice, on va dire, une sorte de belle preuve. Cette image a été trouvée par konos@rusda, donc sur Twitter. C'est juste pour passer un petit peu le... Bah, pour le citer, quoi, pour pas dire qu'on a pris son image sans son, accord. Alors oui, c'est sur PC, pour ceux qui posent la question. On peut voir le clavier, hein, sur la première image. Alors l'image sera aussi, enfin le lien du tweet sera dans la description, n'hésitez pas à aller le voir parce que la qualité sera meilleure. Et puis il y a aussi des discussions aussi dans les commentaires. Alors il y en a qui disent ouais bien sûr que ça a l'air d'être du faux, ça a l'air d'être du montage, ouais on peut pas voir le mec, on peut pas voir le spécialiste, peut-être que c'est un glitch ou quoi. Donc ouais c'est vrai que c'est montré avec le Codecaster, donc vraiment déjà... On n'a pas vu de photo de l'arme, donc ça reste quand même de la supposition. Parce qu'à la rigueur, on aurait eu, hein, on aurait eu une photo carrément de l'arme. On aurait pu penser peut-être autre chose, mais non, malheureusement non. On n'a vraiment pas eu d'image du couteau balistique. On a vraiment eu une petite icône en bas, et c'est vraiment tout ce qu'on a. Mais quand même, ça laisse penser, puisque déjà on avait eu des entre guillemets, des petits indices, et c'est là que ça se confirme un peu plus. Donc vraiment, je pense quand même que c'est une bonne nouvelle. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il rajoute le couteau balistique? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il le rajoute dans les largages? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le mettre finalement? Est-ce que vous pensez que c'est juste du fake? Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai vraiment un grand plaisir à vous lire. Ça me fera vraiment très très plaisir. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, elle est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a vraiment fait très plaisir encore une fois de vous commenter sur la Titanium Clan. Alors voilà, on remercie les chaînes communautaires si elles nous uploadent, ça nous fera vraiment très plaisir. Pour les chaînes communautaires, on se présente rapidement, donc on est la Titanium Clan, on combat depuis peu et puis on fait des petits carnages sur Black Ops 3, sur les Call of Duty en général, on tape des nucléaires, des gameplays, des World First comme aujourd'hui, de tout et de n'importe quoi. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller voir notre chaîne, ça nous fera vraiment très plaisir. Je me présente aussi rapidement, je m'appelle Space Wolf, je fais des vidéos sur Call of Duty en tout genre. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera vraiment très plaisir. Le lien est dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller féliciter le player qui nous a pondu ce magnifique gameplay. C'est Slade, sa chaîne est dans la description. N'hésitez surtout pas à aller la voir, ça lui fera vraiment très plaisir. Donc moi, je vous dis à très très bientôt les gars dans une nouvelle vidéo sur la Titanium Clan. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Is all I'm feeling.